Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Et salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle série survie. Et oui, je vous ai dit hier dans la vidéo d'info, bon, je vais m'enlever le F1. Je vous ai dit hier dans ma vidéo d'info que donc il y aurait une nouvelle série survie. Hein, survie, je suis bien en survie, j'ai du mal à casser les blocs, à la hache et casse pas en un clic. Pour une série très très spéciale qui serait directement en lien avec. Je vais mettre en pistolet, je vais vous expliquer pourquoi après. Qui va être directement en lien avec tout ce que. Avec ma chaîne, en gros, avec ce que je fais sur ma chaîne. Alors voilà, c'est l'épisode 0, il est temps que je vous explique. L'objectif, c'est que sur cette map survie, là que j'ai créée il y a peu de temps, j'ai spawné dans l'eau, donc du coup j'ai un petit peu nagé jusqu'à cette petite île ici pour me poser, hein, donc ça vient de commencer hein, vraiment. L'objectif, c'est que sur cette map, je construise en survie un fort boyard. Rien que ça. Donc pour cela j'aurai 30 épisodes, 30 jours donc, 30 épisodes qui seront diffusés sur 30 jours. En vrai je pourrais pas en tourner un par jour, mais en gros ce sera du coup 30 fois 20 minutes, vu qu'un épisode ce sera un jour Minecraft. Donc en gros ce sera un total de 10 heures maximum pour créer le fort. Pour construire le fort. Dans le détail, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va marcher. Ce que je vais faire, c'est que entre chaque tournage d'épisode, je vais laisser passer un jour Minecraft, c'est-à-dire l'équivalent de 20 minutes, pour pouvoir en fait, pour déjà vérifier si l'épisode a bien marché, etc., etc., qu'il n'y a pas trop de bugs, auquel cas je le retourne, et surtout pour voir si. Pour commencer peut-être un petit peu à monter l'épisode, hein, parce qu'il va y avoir un petit peu de montage dans cette série pour une fois. Et ça permettra aussi, pendant le temps restant, parce que 20 minutes c'est long hein, et que je vais certainement pas faire que regarder mes vidéos, ça permettra de, par exemple, faire des choses pas intéressantes en vidéo, telles que farmer des éléments, des objets dans le jeu, qui pourraient servir. Donc en vrai, c'est pas vraiment 10 heures. Ça va être le double, ça va être 20 heures. Mais sur les 20 heures, je vais travailler à fond dedans, vraiment que 10 heures. Voilà. Vous saluerez Antoine Arézu pour ce petit bruit Facebook là, des familles. Attendez, je vais juste mettre la conversation en sourdine, hein, parce que c'est Facebook à écouter. On peut tout faire avec Facebook. Donc, reprenons où nous en étions. Oui, donc voilà. Évidemment, construire un aussi gros bâtiment, construire quelque chose comme ça, c'est un petit peu compliqué en survie. Donc, je me réserve une petite aide. Ça va être un coffre bonus qui va réapparaître au début de chaque épisode ici. Donc, les 20 minutes me permettront de le préparer à chaque fois. Dans lequel je pourrais avoir jusque un stack d'éléments qui pourront m'aider pour construire le fort. Donc ça peut être soit un stack d'un seul type de bloc, mais tout comme ça peut être 64 éléments complètement différents. Sachant que si jamais il y a des genre par exemple un bloc de fer, ça compte pour 9 éléments parce que c'est 9, 9 lingots de fer. Comme par exemple si je fais un outil. Oui, si je fais un outil, ça compte pour, par exemple, si je fais une pelle, ça compte pour 3 éléments, parce que il faut 2 bâtons et un bloc. Vous aurez compris. Le but, c'est pas juste de cheater, parce que sinon, je me mets un coffre avec une pelle en diams, une pioche en diams, plusieurs stacks de sandstone, et c'est bon, hein, le fort, il se construit tout seul. Non, il va falloir faire un peu de recherche quand même. Donc voilà, je me réserve juste ça. Le contenu n'est pas défini à l'avance, hein, ça dépendra du déroulement de l'épisode. Ça se fera naturellement, je pense. Ça se fera naturellement.
Si par exemple je suis en déche totale d'un élément qui se trouve dans la nature habituellement sur Minecraft, sauf que on est sur un format un petit peu plus petit, on n'a pas un vrai continent, on a quelques îles en gros. Des grosses îles, hein, mais c'est que des îles. Donc si jamais j'arrive en déche de ce point de vue-là, bah voilà. Non, si jamais il me manque un élément, peut-être qu'il se retrouvera dans le coffre l'épisode suivant. Et il n'y aura pas forcément 64 éléments à chaque fois. Hein. Ça dépendra vraiment de ce que j'aurai besoin, de ce qui sera urgent, de ce que j'ai besoin urgemment. Au niveau des épisodes, alors je vous ai dit ce sera des épisodes a priori de 20 minutes, un jour Minecraft complet du coup. Ça, ce sera ce qui sera tourné. Peut-être que via le montage, je ferai peut-être des accélérés, peut-être des petits timelapses. On pourrait peut-être essayer un jour. Hein, il n'y en aura pas à chaque épisode, hein, faut pas rêver non plus. Mais je vais essayer de progresser en montage sur cette série-là. Donc du coup, il y a des chances que les épisodes ne se fassent pas vraiment 20 minutes, ils soient un petit peu réduits. Parce que il se passera forcément pas 10 heures de vrai contenu. Sur 10 heures d'épisode, il n'y aura pas forcément 10 heures d'épisode tourné. Il n'y aura pas forcément 10 heures d'activité intéressante. Voilà, intéressante, c'est le mot que je cherchais. Donc du coup, voilà, je vais essayer de monter les épisodes convenablement, de telle sorte à ce que ce soit visuellement cool pour vous, et à ce que ce soit aussi agréable, je trouve, pour moi à monter. Ça peut Le montage, aussi chiant que ça peut être marrant quand même. Et rien que le fait de faire quelque chose de déjà plus professionnel, plus beau, bah ça me rend personnellement heureux, même si ça m'a pris 3 fois plus de temps qu'un épisode juste posté comme ça. Bon, évidemment, je vais essayer, hein, ça veut pas dire qu'il y aura comme ça à tous les coups. Bon, eh bien écoutez, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Si je fais différents changements dans les règles ou le déroulement au cours de la saison, je vous le dirai. Ah oui, au début de l'épisode, j'ai mis en peaceful. Pas de mob sur la série. Je m'exclus pas de les rajouter à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais clairement, l'objectif, c'est pas une série survie où il faut survivre. L'objectif, c'est de faire une construction. Donc je pars du principe que si c'est pour se faire emmerder par les mobs, à part ralentir la série, qui sera déjà peut-être un petit peu lente, ça vaut pas le coup. Donc voilà, je vous le dis. J'exclus pas de les rajouter au bout d'un moment quand j'aurai de quoi y résister. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Voilà. Bien écoutez, j'ai ma petite île de base avec. Bon, en vrai, je pourrais rejoindre le continent là-bas, mais je vais commencer sur l'île ici. Essayer de commencer le petit stuff sur l'île. On est toujours à l'épisode 0. Donc du coup, je vous retrouve demain, 17 h. Je vais peut-être changer les horaires au fur et à mesure de la série. Demain, 17 h, pour l'épisode 1. Et tiens, d'ailleurs, du coup, entre cet épisode 0 et l'épisode 1 demain, je vais commencer un petit peu à travailler, parce que les premiers moments en survie dans Minecraft, c'est juste creuser du bois. S'enterrer en mine, en gros c'est toujours la même chose. Et l'objectif c'est pas évidemment de faire une série de survie comme tout le monde l'a fait, au moins une fois dans sa carrière YouTube. Non, l'objectif c'est de faire une belle série. Donc voilà, je vais essayer de passer un petit peu tous ces moments-là. On se retrouve donc du coup au troisième jour de cette aventure. Au troisième jour, épisode 1, demain 17 h. Ciao tout le monde!